dans notre petite Dessaline, information tu as fait quoi que gagner un bien division autour de choix met Emmanuel Vertilier là au niveau de petite Dessaline. Si nous croyons à Moïse Georges, bon groupe qui était contre l'idée ça et qui croit que c'est Moïse Jean-Charles qui lui-même avancé, donc pour sanctionner Moïse Jean-Charles, il a interdit eh bien parler dans nos partis jusqu'à nouvel ordre et il dit ceci jusqu'à ce que bon congrès qui est organisé en structure ça dans plateforme petite Dessaline même il dit non il mettait un citoyen dehors parce que lui-même il a fait partie dans groupe qui décidait unilatéralement fait choix de mettre Emmanuel Vertilier pour conseil présidentiel. Là nous allons parler avec Père Amos Georges. Tout à l'heure tu as parlé de directeur général qui courait va vrai Adjane qui n'a pas gros pas ouais. Eh bien, déjà, Guito Edouard dit lui-même, là, vous dînez pas. Donc, tant bien que mal, la PC fait ça que possible, malgré situation difficile. Hein. Il y a deux ministres d'éducation, on parle de l'école dans l'Ouest, là. Yeah. Puis, l'école pas l'ouvrir, mais je connais tout côté DG. DG, ça, oui. Côté directeur départemental de l'Ouest, yeah, là, éducation. Oui, effectivement. Qui ça dit, qui ça fait, ça annoncé. Il parle là, il y en a marron parce que. Monsieur Zam, je te dis, je vais chercher au conchien fou. Ou jeune Père Amos, Gaïa? Eh bien, avancé. Ok. Père Amos, Georges, bonjour. Bonjour, Gaïa. Bonjour, Père Amos, Georges, bonjour. Bonjour, tout le monde qui a participé à l'organisation. Oui, alors, moi, je souhaite rappeler que tu as gagné un voice que tu as partagé hier et que tu as authentifié à quoi, sous décision ça, et qu'on dit au prend, hein, si tu entends dans voice, dans l'audition, ou même qui prend comme responsable éthique et moral dans la partie petite des Salines, pour que Moïse Jean-Charles ne prenne la parole ni agit dans nos partis. Donc, je vais reprendre pour moi la décision ça qui est à la base avant de regarder est-ce que vous avez un titre et qualité pour prendre une décision pareille. Qui est-ce qui motive vous à prendre une décision ça? Bon, parce que moi, estime que il y a des gars. Moi, les fais des gars. Puisque nous-mêmes, nous sommes en pile, pour nous sommes en idéologie, pour nous sommes des nationalistes, mais pas jamais d'accord pour le groupe étranger de maintenant en pile. Et puis, l'environnement, à la grande surprise, moi que nous venons. Participer au conseil présidentiel. Bon, c'était une choc. Moi, j'ai reçu un cadre avec un fil de membre comme il y a un bon qui est là, il faut poser et étant donné qu'il y a un problème, c'est ce ma question. Nous sommes capables de faire des choses. N'a pas essayé à ranger ça avec technicien yo pour nous essayer de capable faire appel là non l'autre niveau ou bien utilisons l'autre formule pour nous recevoir Père Amos Georges. Oui. Oui, alors désolé parce que communication pas trop audible. Oui, Père Amos, nous demandons qui ça qui motive au prendre décision ça contre leader parti Jean-Charles Moïse. Bon. Comme nous sommes pas bien passés, permettez-moi bien d'abord, Moïse Jean-Charles,
c'est un monde que j'ai en pile l'appréciation, en pile l'amour pour lui, un monde que je crois dans lui. En pile, là, je vais dire que tout est crois en pile dans lui. Et ça va même gagner 3 semaines que je t'ai osé mettre en vidéo en circulation pour que je me dis. Et momentum là, c'est momentum pas nous lié pour nous capables de faire un bagage pour le pays. Je dis. Et Maurice Jean-Charles, quand est-ce que question, conseil, 3 membres qui l'a prêté, c'est lui-même pour qu'il prenne le pouvoir avec Guy Philippe et puis pour montrer le pays à qui ça que est capable d'aller. Il est allé plus loin côté de l'État et n'a pas fini. Puisque nous voulons changer le système, profitez l'occasion pour nous changer. Faisons sacré empereur Jacques II. Faisons sacré empereur. C'est pour montrer que. C'est un monde que nous gagnons en pile d'appréciation pour lui. Donc, ce n'est pas un adversaire, ni un concurrent, ni un ennemi qui a parlé. C'est un monde qui remet Moïse, qui remet parti petit de Saline. Mais là, ça peut produire un choc. Du moins, les que je m'attends que je vais aller dans tel sens, et puis moi, que c'est un cours dans 180 degrés. Pour pas faire coup de salade, pour pas tomber charrier 4 roues en l'air. Je dis, là, il faut un bagage, puisque à chaque fois qu'il y a une dérive comme ça qui est sur le par exemple, il y a un pièce qui est capable de libérer en rien, maintenant, il n'y a qu'à ça, comme doit être mangé sur toute partie en général. Il y a plus de monde qui a pris le nom de nos frères, puisque pour tout ça qui était fini déjà à l'endroit des conseils CARICOM là, et puis pour nous venir trouver nous là-dedans, on dit non, là, il faut qu'on sanctionne tout le et nous croyons, nous disons, c'est moi-même qui peux mieux passer pour commencer ce processus-là, et c'est pour ça que je prends responsabilité. Donc son processus est sanctionné. Et qui structure la partie selon le règlement intérieur là, qui est capable de sanctionner Moïse Jean-Charles, par exemple, comme secrétaire général de la partie comme tout, bon, ça quand même, Moïse de Moïse Jean-Charles, secrétaire général parti politique, petit de Saline, au-dessus de la loi. M'a demandé dans le mouvement, certains vous connaissez bien pile dirigeants, pile membres qui sont d'accord avec moi, qui déjà rejoignent moi et qui ont rejoint moi, mais c'est difficile pour rejoindre un membre osé prendre une telle disposition comme ça. Parce que j'en dis à lui, en haut, tout règlement. Donc, on n'a pas besoin même de l'entrée. C'est certain que, comme structure politique, il y a plus de bagages qui voient dans le règlement interne, PATIA, mais par contre, quel monde qui prend le règlement interne, PATIA, pour dire Moïse Jean-Charles, ou pas dans le droit chemin, et moins sanctionné. Donc, moi-même, je pose effet parce que. Ça, fait là, les relevés de l'éthique et de la morale, qui sont des convictions idéologiques patriarcales en danger. Donc, moi, nous les faisons sans que nous pas même à consulter tout le règlement. Pour moi, non, mais c'est une décision fantaisie, ça veut dire qu'il va passer, ou déjà qu'on ne va passer, par amour, Georges. Là, passer, non, premièrement, c'est nous que. Et sanctionnant, trois sanctionnant, premièrement, du mot d'ordre moral. D'ordre moral, ben nous connaissons Moïse Jean-Charlier, tout ça que nous représentons, et que voilà que nous avons membres dans le directoire qui interdit de parler et agir dans le moment dans nos partis pour ça le fait grave. Est-ce que décision ça va fragiliser le parti davantage? Pardon? Est-ce qu'une décision comme ça va fragiliser le parti davantage? Non, nous sommes obligés de réunir, chita ensemble, pour nous capables de prendre une décision.
parce que pas de monde qui a fait une décision face à Moïse Jean-Charles. Même si vous demandez réunion, vous dites bon, comment ça s'est passé, vous demandez réunion avant que vous bougez, vous avez des trois militants qui tapent des campés, qui tapent dévorer ou les bateaux, il faut que ça commence exactement. Jean que nous faisons là, que nos actions qui sortent et qui gagnent un poids moral là qui avant tout, et puis après ça, pour nous, pour suivi administratif et institutionnel, il y a capable de payer quand même, parce que décision déjà publique, il y a dans la rue, suivi administratif et institutionnel, il y a mais il n'y a pas de jambe qu'à faire si moi-même, il n'y a pas de prendre les décisions à faire jambe celle-là. Il faut parler avec le sénateur Moïse Jean-Charles et autour de questions, ça même qui la cause que gain l'idée pour ta sanctionner sénateur qui ça discuter qui ça n'entend nous qui soit reproché qui ça répond non pour moi même qui dernière fois que nous parler avec le secrétaire général là et bien nous parler pour que c'était dans l'enterrement de monsieur Basse 47 yo c'est que moi me tape célébrer funérailles, c'est depuis l'ESA que nous parlons, ça gagne plus que un an. C'est depuis l'ESA tout que nous rencontrons, ça gagne plus que un an. Mais faut me dire que dans ce moment-là, nous faisons en pile démarche, moi téléphoner, pour m'essayer de joindre lui, pas jamais joindre lui, ni pas jamais retourner appel avant que nous prenions sanction ça, rendre public, nous voyons sur tout. Groupe, il y a une vingtaine de groupes par parti politique qui de Saline, de façon pour qu'il y ait une réaction directe de sa part. Eh bien, bon, ce militant qui réagit, qui veut s'ajouter, qui dit que bon, le secrétaire noir, ce n'est qu'il faut en politique, ça le fait, le net, il connaît que côté le pralé, et il y a un monde qui n'est pas maton. En politique, ou pas qu'à comprendre les actions qu'il a posées à, mais bon, si c'est ça, nous avons des lunettes, parce que moi, personnellement, je n'ai pas qu'à digérer que nous l'aide à le joindre, comme, lundi, mardi, pour quantité de discours ça qui fait, à plus de sujets, même sous CARICOM, voyez CARICOM, j'étais dans mardi, Père Major. OK. Alors, on va finir. Mais nous dit tout à l'heure, donc ou même pour quand on dans directeur en parti pas capable de prendre sanction contre au monde, donc faut qu'on structure, qu'on mécanisme quand même pour ça fête. Et en plus, au din là presque un an de pour pas parler avec Moïse Jean-Charles, a dit son parti qui a fonctionné même Jean Pays a fonctionné là. C'est un an, on pas jamais rencontré, pas une réunion que fait. Bon, m'baka caché ou que toute extension la partie politique de Saline pas fonctionné parce que c'est le secrétaire général là qui fait le bagage. C'est sénateur Moïse Jean-Charles qui prend toute décision pour contre lui. Comme copain, parti à 7 ans depuis le fond de l'Ouest, c'est la première fois, oui, que vous autant de voix moi. Comme le porte-parole Patia. C'est la première fois. Oui. Donc, on va cacher pour nous dire que, au niveau des partis panoramiques, il dit que ça vient de deux mondes. Il y a le secrétaire général là et les autres. Okay. Donc, on est là pour bon monde qui a une forte personnalité dans le gouvernement pour oser faire un bagage, pour oser dire un bagage. Ça, ça ne fait pas, il n'y a pas qu'à arrêter de garder. Moi, il faut que tu campes là, ou tu vas avancer pour ça. Fais sauver qu'il est bon, qu'il n'est pas bon. Si je dis là, on dit à Bacaricom, et puis toute partie a dit à Bacaricom, demain on dit Vilcaricom, toute partie a dit Vilcaricom. Nous allons continuer, nous allons arrêter pour ça. On a une question pour nous finir, parce que nous allons parler avec l'ancien Premier ministre Evans Paul dans quelques minutes encore. On a une question pour nous finir. Amos, Georges, t'attends d'où avec un peu d'intérêt. Est-ce que décision ça que nous prenons, parce que si pour nous sanctionner Moïse Jean-Charles, en s'est découvert?
Est-ce que c'est des votes qui fait? Ah bon, je ne réponds pas. Je pense qu'on est-ce que c'est des décisions qui font pour voilà. Mais ça, ça me doit poser la question sur ça. Non, c'est lui-même. Question qui est intéressante, c'est si c'est directoire qui chita qui passe. C'est PA pour Paul. Ah, c'est PA pour Paul qui décide ça. C'est responsabilité. Oui, même là, est-ce qu'il y a du moral? Oui, mais c'est ça. Pour pouvoir. Même si pour ses responsables éthiques. Mais qui ça a réglementé? Quand on va parler de surveillance générale, de figure emblématique. Effectivement, Batia. Donc, sanctionner le conseil, pas capable de décision unilatérale. Si peut-être on a fonctionné non démarche démocratique, qu'à toujours, ou qu'à toujours même, on vient avec Bala, nous discuter, et puis nous trancher sous base majorité. Mais si c'est vous même seul qui prend l'an, il prend oui, peut-être qui a venu en décision comme ça. Ok, on a résumé la question comme ça. Par rapport à ce qui a venu en décision comme ça qu'on prend, ou même unilatéralement. Avenir décision, c'est que tout le monde qui n'est pas d'accord avec le comportement secrétaire général, là, surtout revirement ça qu'il fait, et nous, en pile, la partie politique qui n'est pas d'accord, nous allons le tête, nous allons faire que c'est un monde qui est prêt naturellement. Oui, non, mais c'est structure là qui doit prendre, c'est une entité. C'est moi qui suis là. Une façon pour ça faire. Pas prendre unilatéralement. Et c'est moi qui, en tant que responsable éthique et moral, qui gagne responsabilité, mais qui est un pilote dirigeant et militant qui est d'accord et dans les jours à venir, qui prend les têtes avec moi pour suivre l'idée institutionnelle là qu'on a fait. D'accord. Bon. Et mais d'accord. Mais merci un pile, Père Amos Georges. Nous devons faire une clarification pour nous. Dans le moment où il y a deux interventions, je vais demander une lettre. Mais pour le moment, il y a une partie politique de Saline, c'est 3P avec un D. Depuis où ouais, 2P avec un D, c'est plateforme petite de Saline. Oui, oui. Lettre là, c'est plateforme petite de Saline. Oui. C'est une autre structure. Ok. Alors petite Dessaline en dedans plateforme, non? Non. Avant, depuis l'élection 2015, c'est une plateforme, c'est plateforme petite Dessaline qui était gagné. En 2017, le parti politique petite Dessaline vient de fonder. Ainsi donc, l'organisation qui était constituée plateforme là, toujours été la plateforme petite de Saline et l'autre monde qu'on est là qui fondait parti politique petite de Saline en 2017, yo même yo pas la plateforme petite de Saline encore. Ok, d'accord. Ah ben, merci un peu, Père Amos Georges.